De milhares de conteúdo cultural, de uma atividade que se celebra cada ano na na Modlã, porque não é só somente Haiti que é país francófono, há outros países na Modlã que falam isso. E é sobre atividade, só que é uma atividade realmente cultural feita na Caribe, no Nature Center, na Port-au-Prince, côté plusieurs personnalités présentes, à savoir premier ministre, différents directeurs de l'autre institution qui coopèrent et aussi le monde dans le corps diplomatique là, qui est présent. Mais c'est avec plaisir que tout le monde est déjà présent pour côté pour une équipe d'information pour faire vivre des déclarations, soit de discours, soit de performances, pour qu'il artiste ou bien personnalité politique ou bien personnalité, enfin, ou bien représentant des organisations internationales. Donc, Radio Tout le monde est là pour vivre et avec nous, pour avoir une chance pour vivre différentes performances ou bien discours. J'ai dit ce que tu appelles tout à l'heure, c'était avec vous, les garçons, pour faire vivre. Et alors toutes les formations, ça a eu un nouveau rendez-vous avec Page Radio, avec toutes les programmations qui viennent à la radio, et en façon pour être capable de connecter avec toutes les formations, soit culturelles, soit politiques, soit sociales. C'est mission, ça, c'est avec vous. C'est pour nous. Troubadour, c'est un groupe qui a fait promotion pour la culture haïtienne, mais à travers de la musique. Nous, pendant gagner, nous ne pas connaître avec qui sentiment lui-même se participe dans l'activité. Bon, et ça fait plaisir. Moi, salut les camarades.
Moi salue radio a. RTM radio tout le monde. RTM radio tout le monde. Monsieur, c'est radio tout le monde, c'est ça que nous la parole aujourd'hui, je suis très fier parce que qui sentiment que me participer dans l'activité, hein, c'est que c'est un sentiment de fierté. Donc vous regardez tout et comment activité culturelle au sens c'est nous rien dans pays, sans ces catégories professionnelles, musiciens, ça qui pas visa, ça qui pas calcer nous 25 que nous même la péri. Du fait que gain opportunité pour bailler ça nous gain, tout bailler en dedans nous voulons bailler depuis que la tannée tout. Et voilà, ça avec un peu de fierté que après-midi à participer dans l'activité quinzaine de la France. Voilà, Haïti comme pays qui parle français, comme pays qui était colonisé par la France, mais je veux dire qui est héritier de la langue française, comme tout l'autre pays qui a fêté ça. Donc je veux dire, on est fier pour jouer avec Boubou Rapadou pour faire promotion de la musique haïtienne. Et je pense très bientôt, Rapadou est pour plusieurs côtés dans le pays, plusieurs côtés dans le monde, pour faire valeur de la culture haïtienne. Mais rapidement, on dit, et on va nous rendez-vous pour vendredi avec l'exécutif dans Radio Tout le Monde. Ah, avec Radio Tout le Monde, je pense que je dis à m'arrivé et puis maintenant direct vendredi si je vais dans la radio. Et puis on a parlé des questions culturelles, on a parlé des questions de musique. Voilà, là pas juste pour vendredi prochain 2h4
soti nan diferan blok e patisipe soti anan jounen mondial de la fakulti yon aktivite ki ap organize an balou bitans AIF, an balou bitans pou IF, an balou bitans osi Ministèr la Kultur ki avèk plezi nan fèk pati soti avèk li menm li pral renkont ki pral reprezenté Haiti nan kategori pou chanson nan jè de la francophonie kapye pou realize notamment 2023 avec une nouvelle qui sentiment avec qui sentiment il va représenter un pays qui a des problèmes mais avec quoi il va représenter dans une catégorie qui est vraiment avec la ça fait plaisir. Ça fait participer dans différents concours de chant à Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti, pour parler de la force que vous dites, l'offre participer dans le podium quartier qui va où certainement yon vue globale de la chose, mais qu'on y a là, au niveau de la carrière, on va continuer comme ça, pour quitter le pays, pour aller représenter même pays ça, en Afrique, dans le continent, nous considérons Haïti comme la diaspora africaine en Amérique, mais je vous dis, on va le faire fier de pays. Donc c'est vrai que nous fier ou content, mais comme au monde qui n'ont pays qui parle français ou qui pourrait représenter un pays en dans le pays qui parle français, donc on a là même comme artiste qui ça ou attend qui ça dit ou participer là-dedans, mais qui ça ou joue comme aide dans le pays pour là pour représenter pays ça non je n'ai pas. Déjà, vous avez déjà préparé pour participer dans votre ça, mais inquiétez-vous pour nous. Par rapport avec vos représentations que vous avez faites, vous avez déjà attendu à Béla, à Béla, à Béla, à Béla, à Béla. Voilà, parce que depuis après participation dans le programme 4, c'est vraiment leur activité pour participer. Donc nous tous pas suivre la toujours là et ceci, l'un des pays, malgré les difficultés, il y a un peu de jeunes qui sont intéressés avec musique, qui ont un peu de talent, donc nous-mêmes, si on regarde les performances là, bon, bien entendu, nous allons regarder sous chaîne radio. Donc vous pensez que vous-même qui allez vous présenter aujourd'hui, ou bien vous allez vous sortir en convert, mais qui t'aime dit, est-ce que tu es pensé avec succès aujourd'hui, ou bien est-ce que tu es pensé avec vous de ça pour ta première carrière avant qu'il participe dans votre pratique? Bon, tout début, nous avons l'opportunité. Mais l'opportunité en fait, nous sommes parce que c'est pour ça. Depuis l'opportunité, c'est aussi. Pas pour être l'autre, c'est pour être capable de saisir l'opportunité et vous allez profiter de vous. Voilà maintenant qui me dit que vous avez fait un peu de temps avec vous, mais qui n'a pas de possibilité. Parce que yo jou quand même zéro à l'heure. Si que on n'est pas mis au talent, c'est bien ça ma veine. Parce qu'on va jamais connu qu'il y a un bon continuité à présent. Voilà, c'était avec Kenya Bella qui va certainement représenter le pays à la catégorie chanson dans le jeu de la francophonie qui a pu dérouler dans l'été 2023. Donc nous sommes contents avec lui, mais nous pensons que Kenya Bella qui va participer dans l'émission. Je regarde. Je m'apporte à la D'accord.